Bonjour à tous, je m'appelle Barbara et je vais vous présenter le livre « Personne ne te sauvera » de Fabrice Collin de la maison d'édition Flammarion. Il contient 143 pages et il est à 4,50 €. « Personne ne te sauvera » parle d'une jeune fille qui s'appelle Manon et qui a 17 ans. Elle apprend qu'elle a une veine qui peut éclater à tout moment dans son cerveau et elle doit faire face à une décision, soit se faire opérer ou soit prendre le risque de mourir. Mais elle prend peur parce qu'elle apprend que cette opération avoir plusieurs séquelles. Du coup, elle décide de s'enfuir à Las Vegas, là où ses parents l'ont conçue, et elle s'installe à l'hôtel Circus Circus. Elle décide un jour d'aller voir un spectacle d'un certain vampire qui va raconter sa vie et croiront ceux qui le veulent. Elle décide de croire en son histoire de vampire. Elle décide de le rencontrer, mais au moment où elle va le rencontrer, elle commence à trop stresser et elle tombe dans les pommes. Et là, il la voit et il la rattrape. Les jours qui passent, elle n'arrête pas de penser à lui et décide un jour d'aller le voir, mais il refuse de lui donner le baiser éternel parce qu'il y a des risques et du coup elle va tous les jours aller le voir pour le convaincre. Elle va réussir à le convaincre de passer 7 jours avec lui à condition qu'elle se fasse opérer après les 7 jours. Moi j'ai adoré ce livre parce qu'il était très facile à lire, l'écriture était assez simple, il n'y avait pas de mots difficiles. Manon est un personnage assez en même temps curieuse et gentille. Et Dorian très mystérieux et séduisant. Et j'ai adoré aussi le livre parce que c'est en même temps réaliste et fantastique.